Ce qui m'a donné envie de rejoindre ce ministère, c'est que je souhaitais mettre en œuvre mon expérience professionnelle dans la maîtrise d'ouvrage public, dans le domaine de la conduite d'opérations immobilières acquises en France et ainsi développer mes compétences à l'international. Je suis responsable d'un secteur étranger au sein de la direction des immeubles et la logistique à la sous-direction des opérations immobilières à l'étranger. Nous définissons et mettons en œuvre la programmation immobilière. Les travaux permettent de valoriser nos bâtiments, d'améliorer les conditions de travail des agents, d'améliorer l'accueil du public et d'optimiser nos bâtiments. Les opérations de travaux sont réalisées en étroite collaboration avec les autres directions du ministère et d'autres ministères ainsi que des partenaires institutionnels. Le moment phare dans l'exercice de mes fonctions est mon premier déplacement professionnel pour réceptionner les travaux de restructuration du Consulat général de France à Beyrouth. Les travaux portaient sur une mise en conformité sismique et un réaménagement des espaces pour fournir un outil de travail moderne et un outil fonctionnel pour les agents, mais également pour l'accueil du public. Travailler au ministère est une expérience unique et enrichissante, tant professionnellement qu'humainement. Nous menons une multitude de projets sur du patrimoine diversifié. Nous rencontrons nos agents à l'étranger, des architectes, des entreprises de travaux et les autorités locales du pays concerné par le projet. Ce ministère, et notamment la direction des immeubles et de la logistique, offre une pluralité de métiers, ce qui permet d'acquérir de nouvelles compétences, de diversifier les méthodes de travail grâce à la dimension internationale.